Pour la rentrée de la nouvelle saison footballistique, Canal Plus Guinée offre des nouveautés à ses clients. Canal Plus Guinée met à la disposition de ses abonnés de nouvelles scènes de diffusion des matchs de football, de grands championnats européens et la Champions League. Mais ce n'est pas tout. Canal Plus Guinée vous donne la possibilité de suivre une nouvelle série qui sera bientôt disponible sur les chaînes Canal Plus. Et ce sera une exclusivité sur Canal Plus Guinée, rassure son directeur général. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on apporte une offre puissante au niveau sportif, une offre sportive, je vais dire, qui est unique, qui est inédite. Nous avons en exclusivité sur les bouquets Canal+, notamment les bouquets sportifs Canal+, les cinq meilleurs championnats du monde. Les cinq meilleurs championnats du monde qui sont les cinq championnats européens, la Liga, la Bundesliga, la Premier League, qui est la Ligue française, le championnat français, la Champions League, qui est on va dire, la compétition la plus prestigieuse, et puis vous avez la Premier League, qui est la Ligue anglaise. Alors, on l'a en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et je répète, exclusivement, vous avez cette offre sportive-là uniquement sur le bouquet Canal Plus sportif. Voilà. En plus de ça, vous aurez une nouvelle série, Le Futur à nous, qui va cartonner, qui est une série africaine. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Canal Plus est en train de, on va dire, africaniser son contenu. Donc, c'est une série qui a été réalisée par des Africains, avec des acteurs africains qui sont connus, qui sont les meilleurs du moment. Et c'est une série qui sera quotidienne. Donc c'est une série de 26 minutes par épisode et on aura à peu près une soixantaine d'épisodes. Voilà. Donc ça, ce sont les nouveautés que nous apportons à la rentrée. Et déjà, autour du 5 septembre, on démarre la Champions League qui est vraiment le nectar des compétitions en termes de football. Voilà, voici les grandes nouveautés que nous apportons. Donc, si vous adorez le sport, vous aimez le football, ne cherchez nulle part, c'est seulement sur les bouquets Canal+. Une autre bonne nouvelle avec Canal Plus Guinée, c'est la mise à disposition d'un centre d'appel pour les clients. Ce centre d'appel est appelé Call Me, dont le protocole d'accord a été signé à cette rencontre entre Canal Plus Guinée et Call Me Guinée. Ce centre d'appel aidera les abonnés de Canal Plus Guinée d'être en contact avec les responsables et les techniciens en cas de défaillance ou besoin. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de notre call center Guinée-Conakry. Voilà. Donc, ce call center a pour vocation de nous rapprocher de plus en plus de nos clients, de leur donner une expérience et une satisfaction client inégalée, et puis être au cœur de leurs préoccupations et avoir de la proximité et de la réactivité vis-à-vis de leurs préoccupations ou bien de leurs attentes. Donc c'est essentiellement ça la raison de notre présence ce jour. Notre partenariat avec Colmi, c'est un partenariat très très fort. Colmi, comme vous le savez, est une structure qui a une haute expertise dans la gestion client, dans la gestion des centres d'appel, des centres de gestion client. Donc on s'est rapproché, on a mis un partenariat en place et on est persuadé que ce partenariat va nous apporter une valeur ajoutée quant à la satisfaction totale, on va dire, de nos abonnés. Colmi entend vraiment jouer un rôle de facilitateur et de rapprochement entre Canal+ et ses clients et ses abonnés. Donc, parmi les innovations que nous allons apporter, c'est-à-dire une disponibilité des services de Canal et des informations, mais aussi le traitement de vos requêtes à travers les canaux, que ce soit digital ou bien téléphonique. Donc, il y a une multicanalité. On offre aux abonnés la possibilité de pouvoir joindre le centre d'appel à travers de multiples canaux. Donc, ça permet d'être proche, n'est-ce pas, de Canal+, d'être écouté. Et ça leur permet aussi, en même temps aussi, de pouvoir avoir un retour du côté de Canal de ce que veulent les clients en tant que tels ou bien les abonnés. Donc, c'est l'avantage qu'on a et qu'on apporte à Canal+. Donc, le partenariat qu'on a avec Canal, c'est un partenariat qu'on a pas seulement sur la Guinée, mais nous l'avons aussi sur le Sénégal et le Mali.
et bientôt sur le Niger. Donc il faut dire que c'est un partenariat qui est solide et qui nous permettra à long terme de pouvoir faire un maillage de l'ensemble des clients et abonnés de Canal+. Comment ça va marcher? Vous êtes abonné de Canal, vous avez un souci sur les lignes, ou bien vous voulez juste une information, appelez juste au 8224 et vous avez un téléconseiller qui est à votre disposition et qui va vous faire un traitement particulier. C'est-à-dire qu'avant, quand vous avez un souci avec une société, il fallait écrire une demande, déposer la demande, attendre que le temps que la demande soit traitée pour pouvoir vraiment avoir un service en retour. Actuellement, c'est fini. Avec le service client, vous pouvez juste d'un coup de pouce, n'est-ce pas, sur votre téléphone, appeler un téléconseiller, discuter avec lui des programmes, discuter avec lui de tout ce que vous voulez, ou même soumettre une requête qui sera traitée dans les heures qui suivent. Donc vous voyez là l'avantage que le service client offre, n'est-ce pas? Canal+ Guinée est doté d'un siège abritant des bureaux et des salles d'opération pour le bon fonctionnement de ses activités.